Bonsoir à tous et bonsoir à notre invité ce soir, Pierre-Yves Rougeron. Eh bien, vous êtes sur le premier cercle de Génération Frexit. Le premier cercle est en fait une institution à l'intérieur de notre mouvement qui est là pour pouvoir récompenser les meilleurs militants de notre mouvement, ceux qui s'investissent le plus, que ce soit en temps, en argent, en compétences, ceux qui aident notre mouvement à se développer. Et donc, nous leur proposons en avant-première de pouvoir discuter avec un invité de marque. Et ce soir, je crois que nous avons un invité de marque vraiment que tout le monde, je pense, ici connaît, mais je vais quand même le présenter, hein. C'est Pierre-Yves Rougeron. Alors, il se fait parfois appeler Pierre, mais il ne faut absolument pas confondre, il y a bien un Y, hein. C'est pas le Pierre des indigènes de la République et de Madame Boutelja. Je crois qu'il n'y a vraiment aucun rapport, si ce n'est peut-être que les deux apparemment prônent le Frexit. Voilà. Mais autrement, je crois qu'on aurait du mal à trouver d'autres points communs. Alors, comment présenter Pierre-Yves Rougeron? Bien, on peut d'abord rappeler sa formation, hein. Il a une maîtrise de sciences politiques à Assas, il est diplômé de l'école de guerre économique, il est passé par le HESS, que je connais bien, donc avec un master économie du développement. Et puis, il s'est engagé très tôt en politique, d'abord avec les jeunes de l'UMP. Il est devenu attaché parlementaire ensuite de l'ancien député européen, un chevènementiste passé au Rassemblement Bleu Marine, Jean-Luc Schaffhauser. Et aussi, il a été président de l'association Les Amis d'Éric Zemmour. On va dire qu'il balaye à peu près une frange, on va dire, des souverainistes de droite, voilà, même si je pense qu'il se définit avant tout gaulliste. Et justement, je crois que ce soir, nous allons en parler. Et puis, bien entendu, Pierre-Yves Rougeron est le fondateur et l'animateur du Cercle Aristote, que nous connaissons tous, et je pense que nous avons tous, à un moment ou à un autre, apprécié les analyses du Cercle Aristote. Et la présentation ne serait pas complète si je ne disais pas que Pierre-Yves a écrit deux ouvrages, un qui s'appelle « Pourquoi combattre ?» et un autre « Enquête sur la loi du 3 janvier 1973 ». Je crois qu'il y aura d'ailleurs une question que j'ai proposée, que j'ai préparée tout à l'heure sur cet ouvrage. Et bah, écoutez, le thème ce soir, c'est donc la trahison du gaullisme par les gaullistes, ou du moins par les prétendus gaullistes. Et avant de passer la parole à Pierre-Yves pour qu'il nous parle de ce sujet, je voulais rappeler qu'il avait existé une droite qu'on a parfois appelée la droite Thiroux de Vaugely. Thiroux de Vaugely, c'est un membre des services secrets français qui a trahi la France et qui est passé aux États-Unis, et qui a donc choisi plutôt le camp atlantique plutôt que son pays. Et malheureusement, on peut considérer que cette droite Thiroux de Vaugely est très présente aujourd'hui, pas seulement à droite d'ailleurs, mais en tout cas elle fait partie de la droite. Et je voulais aussi rappeler une petite anecdote qu'avait rappelé Marie-France Garraud à propos là de Jacques Chirac, où elle avait dit « Je pensais qu'il était fait du marbre dont on fait les statues, et je me suis aperçu qu'il était de la faïence dont on fait les bidets. » Eh bien, voilà, est-ce que le gaullisme, aujourd'hui, est-il de la faïence dont on fait les bidets ? Pierre-Yves, je pense que vous avez beaucoup de choses à nous dire sur ce sujet. Je vous remercie de m'avoir donné ce sujet qui a l'air un peu original, mais qui va me permettre de rappeler certaines choses sans céder à la tentation de régler quelques comptes. La trahison du gaullisme par les gaullistes. Alors déjà, il va falloir une définition de terme. Le gaullisme, tel que je le vais l'entendre ce soir, n'est pas le gaullisme de guerre.
je ne parlerai pas du gaullisme de guerre ou relativement peu. Que le gaullisme de guerre, c'est à la fois l'allégeance à un chef, indiscutablement, mais l'allégeance surtout à la défense du territoire. Et il est tout à fait normal que des gens qui furent gaullistes pendant le gaullisme de guerre, rappelez-vous la phrase de Marie-France Garraud qui mettait le gaullisme de guerre au-dessus de tout, mais il est tout à fait normal que des gens qui y aient participé s'opposent au général de Gaulle ensuite, parce que c'est le jeu du parlementarisme, de la démocratie, c'est le jeu de la remise de la France à la normale. Ce qui va beaucoup plus nous occuper, c'est le gaullisme politique. Le gaullisme politique, d'abord gaullisme d'opposition, puis gaullisme de pouvoir, si on veut le définir en tout cas tel que je vais l'utiliser aujourd'hui dans cette conférence, enfin dans cette petite causerie, c'est concentré autour de la personne, de l'action et de la pensée du général de Gaulle, une reprise d'un vieux logiciel capétien alliant liberté de la nation et puissance de l'État, avec plusieurs critères, dont l'autonomie du pouvoir central par rapport aux contraintes extérieures, c'est la fameuse théorie gaulliste du prince esclave par rapport à Pétain, et également des contraintes intérieures, ce qui va forcer le général de Gaulle à d'abord proposer, puis imposer de nouvelles institutions. Et ce gaullisme politique a quand même enfanté deux révolutions en acte et une révolution avortée. La révolution de 45, la révolution institutionnelle de 58, ou de la période 58-62, comme vous l'entendrez, et la révolution malheureusement avortée de 1969. Donc, c'est dans ce cadre de ce gaullisme politique, et particulièrement de sa phase d'exercice du pouvoir, que je vais analyser, et dans la période qui va la suivre, surtout, les trahisons. Ça, c'est le gaullisme. Les gaullistes, n'oubliez pas que c'est un ensemble de réseaux, de rituels, de sociologie, qui souvent n'ont pas la doctrine en commun, mais ont De Gaulle en commun. D'abord, autour de la fidélité personnelle, puis de l'utilisation de sa mémoire. Il y a quelques jours, nous fêtions l'anniversaire de la mort de Malraux. N'oubliez jamais cette phrase de Malraux qui avait vu venir beaucoup de ses trahisons et qui disait « On ne fait pas d'après-gaullisme contre De Gaulle ». Et c'est de ça dont nous allons parler. Alors, maintenant que la chronologie est à peu près étendue, on va commencer par ce qui pour moi sont les premières trahisons importantes. Dès que le général revient aux affaires, une trahison de gens qui s'avèrent, enfin qui se prétendent gaullistes. Je vais prendre pour moi les plus durs. Vous avez des trahisons dont on parle peu, vous avez premièrement, qui ont été détaillés par Éric Branca dans L'Ami américain, vous avez, disons, les gaullistes atlantistes qui vont être parmi les premiers, dès l'affaire de l'Algérie éteinte, qui vont se dresser contre De Gaulle. Et pour ne pas les citer tous, je vais vous en citer un, qui est le plus connu de tous, mais qui n'est jamais vu comme quelqu'un qui a trahi De Gaulle, ce qui est très drôle, c'est Raymond Aron. Et là, je vais m'appuyer sur les écrits du général Gallois. Comme vous le savez, Raymond Aron est un opposant de la modernisation de notre arme de défense et particulièrement de l'accession de la France au club atomique. Ce faisant, le général Gallois lui a toujours suspecté Raymond Aron, et d'ailleurs a étalé ses suspicions publiquement sans jamais en être inquiété, que Raymond Aron fut un agent américain, ce qui semble confirmé par son entrée à la Rande, où il a été traîné par l'un des maîtres espions français, Constantin Melnik. Ça, le général, ce sont les trahisons qui viennent dès l'affaire de l'Algérie terminée. N'oubliez jamais que pour la très pro-américaine 4ème République, rappeler De Gaulle, c'est lui faire régler l'Algérie et le renvoyer dans les limbes. Ni plus, ni moins. Pour eux, il convient avant tout que le général, disons, balaye derrière eux et s'en aille, c'est-à-dire qu'on lui refasse exactement le coup qui l'a fait démissionner et quitter les institutions de l'immédiate après-guerre. Mais, manque de peau, la réforme institutionnelle ayant lieu, il va falloir prendre son mal en patience et saper l'autorité du général, ce que d'abord les gaullistes atlantistes, tout ce qui a trait également à ceux qui étaient proches de l'ancienne démocratie chrétienne, tous ceux qui vont créer les centres nationaux des indépendants et autres, tous ces gens-là, que ce soit pour lui faire payer l'Algérie, que ce soit par opposition aux institutions de la Ve République, vont être les premiers transfuges du gaullisme vers, non pas nécessairement un anti-gaullisme, mais vers un post-gaullisme, qui vont avant tout s'attaquer à l'œuvre de modernisation et surtout d'accumulation de puissance du général de Gaulle, qui est vu comme infidèle au camp occidental. Ce faisant, beaucoup de ces anciens gaullistes ou paragaullistes vont reprendre une terminologie d'extrême droite. C'est très peu commenté, mais je vous rappelle que lors de son procès, c'est de trahison de l'Occident que Bastien Thiry accuse De Gaulle. C'est très peu dit, tout comme d'ailleurs le fait que
sur les généraux putschistes pro-Algérie, la plupart ont fait leur classe au sein de l'OTAN. Donc, ce que vous devez bien avoir en tête, c'est que vous avez des micro-sociologies au sein du gaullisme qui vont une par une, ou parfois de concert, s'opposer aux legs gaulliens sur la modernisation intérieure. Vous allez avoir, au nom du grand film de la guerre froide, une accusation latente dans les rangs gaullistes de sous-estimer la menace communiste. Cette accusation-là est reprise par les gaullistes les plus droitiers et malheureusement va emporter le gaullisme avec elle dans l'immédiat après De Gaulle. Car quand De Gaulle s'en va, quand l'immédiat après De Gaulle, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que beaucoup de gens qui sont proches de Georges Pompidou font partie de ce gaullisme droitier atlantiste, dont Marie-France Garraud, qui n'est pas une atlantiste au sens où ça se pense aujourd'hui, mais c'est une femme, disons, très conservatrice et très droitière. Il faut bien l'avoir à l'esprit, et elle est très opposée à la politique d'apaisement proposée par les gaullistes sociaux et qui est incarnée à l'époque par Chaban. Et c'est pour ça que ces gens-là vont parier d'abord sur Giscard, ce qui va être une erreur mortelle, puis sur Chirac pour, à vrai dire, pour la même chose. D'abord, envoyer Giscard, ce qui permet de faire gagner à Chirac une génération par rapport à Chaban. Pour ensuite se débarrasser de Giscard, mais ils vont méconnaître le mal que Giscard va faire. Et c'est la phrase terrible de Marie-France Garraud au général Gallois, l'histoire me jugera sévèrement à cause de ça. À cause du fait que là où il était à peu près certain qu'après Georges Pompidou, il fallait garder la lignée des compagnons de la libération et régler ça d'un côté entre gaullistes, eh bien pour une sorte de gaullisme rageux que Chirac leur proposait, mais comme l'a très bien dit, l'a très bien rappelé Philippe, c'était la faïence dont on fait les bidets. Et donc, ces gaullistes, qui, il est vrai, ne supportaient pas ce qu'ils appelaient les lubies sociales du général, la participation, entre autres. Tous ces gens issus du pompidolisme qui entendaient ce qu'ils voulaient bien entendre. C'est la phrase terrible de Georges Pompidou, pour moi, la participation, c'est les soviets. Alors que ça n'a rien à voir. Nous arrivons à ce moment où se solde la première grande trahison du gaullisme par les gaullistes, qui est, après le départ du général, le nœud pompidou-giscardien, où tout le monde a des arrière-pensées, mais à la fin, c'est la France qui va les payer. Je vais peut-être choquer certains d'entre vous, mais je trouve que les gaullistes certains gaullistes ont bien résisté à Giscard. Il ne faut pas oublier que c'est néanmoins l'œuvre de gens comme Pierre Messmer qui nous a permis de doter notre parc électronucléaire. Mais surtout, et là, je risque de choquer certains d'entre vous, je vous rappelle que l'élection de François Mitterrand en 1981 a été facilité par ce qu'on appelle le complot des gaullistes sociaux, de Chartres à Bitbol, etc., qui en réalité sont ceux qui ont eu l'idée, pour se venger du traître Giscard, d'utiliser les réseaux du RPR pour appeler à voter socialiste. Alors là, vous pourriez me dire que appeler à voter Mitterrand était une trahison de l'héritage gaullien. Oui, mais avec tout ce qu'on peut reprocher à François Mitterrand était plus français que Giscard d'Estaing. Et n'oubliez pas que si Giscard avait été réélu en espérant il espérait avoir une majorité beaucoup moins gaullienne parce qu'il était tenu par l'ancien groupe UDR, nous aurions eu certainement Macron avant Macron. Donc j'estime que ce qui s'est passé en 81, il est vrai, a eu un effet délétère qui est l'écrasement, qui est la destruction de la gauche à la française, c'est tout à fait vrai, mais un deuxième septennat Giscard d'Estaing, je ne suis pas certain que la France en serait sortie. Donc, ensuite, on va être très simple, la lignée des gaullistes historiques s'éteint, chacun se renie un peu. Je vais vous donner un exemple, j'ai trouvé il n'y a pas longtemps, parce qu'un de mes amis a trouvé près de notre lieu de travail, de notre maison d'édition, dans une poubelle, la carte d'UMP de Philippe de Chartres, un des chefs des gaullistes de gauche. Il avait été jeté là, certainement par sa famille, jetant ses dernières affaires, vu qu'il est mort il y a quelques années. Pour beaucoup de gaullistes sociaux, la trahison, ce sera d'accepter ce qui a été le cas de Chartres, d'accepter l'Union européenne avec le blanc-seing de gens comme Jacques Delors et autres. Pour les gaullistes rattachés à la droite, la trahison va être beaucoup plus saccadée dans le temps et espacée. Elle va commencer par évidemment le reniement par les réseaux Chaudron de Courcelles de l'appel de Cochin, où Chirac prend le masque européiste qui va le servir jusqu'à Maastricht inclus, et ce faisant il est le dernier grand fossoyeur du gaullisme politique. Après, nous passons à autre chose, nous passons à une droite américaine
qui est en réalité l'avènement en France des héritiers et de Valéry Giscard d'Estaing et pour certains côtés d'Antoine Pinet, que va donner le sarkozysme, qui lui n'est pas un enterrement du gaullisme. L'enterrement du gaullisme a lieu bien avant des mains de Chirac et des mains de son horrible garde rapproché mené par un personnage de sinistre mémoire qui est Jérôme Monod. Sarkozy ne fait que achever les dernières trahisons de Chirac. Il ne faut jamais oublier que c'est Chirac qui laisse faire le déséquilibre dans les institutions européennes où l'Allemagne, qui devait rester à égalité avec la France, quelle que soit sa démographie, va finir par l'emporter. N'oubliez jamais que les développements du sommet d'Évian, c'est-à-dire où ce n'est pas Sarkozy qui fait le premier appel au club des anciens ambassadeurs français à Washington pour se mettre à quatre pattes devant George Bush pour expier l'opposition à la guerre d'Irak, c'est Chirac lors du sommet d'Évian, et entre autres Jean-Baptiste Lévit, le chef des anciens ambassadeurs français à Washington, demande dans ce qu'il appelle la modernisation de la politique extérieure de la France, l'abandon de la sécurité du Liban. Vous en avez sous vos fenêtres aujourd'hui les conséquences, ou du moins une partie non négligeable des conséquences. C'est cette grande trahison chiracienne sur laquelle Nicolas Sarkozy bâtit cette nouvelle droite à l'américaine dont le devenir est évidemment Emmanuel Macron. C'est Nicolas Sarkozy qui nomme Emmanuel Macron secrétaire de la conférence Attali, qui fait de lui l'homme au plus beau carnet d'adresses de tout Paris. Les gaullistes, leur problème est aujourd'hui d'arrêter de s'entre-déchirer, qui est peut-être l'ultime trahison, car aucun ne peut se comparer à notre mentor à tous, d'éviter la tradition de l'attente de l'homme providentiel alors qu'aucun d'entre nous n'en a l'étoffe. Et peut-être plutôt de se mettre à travailler collectivement, ce que les gaullistes n'ont jamais su faire en l'absence d'un chef, et c'est peut-être le peu qui nous évitera de commettre l'irréparable trahison. Pour vous conclure cette petite péroraison et cette petite introduction, je voudrais vous raconter une anecdote vécue par un de mes bras droits. Pour l'élection de Chirac de 2002, Jérôme Monod, qui a pour but de fédérer l'ensemble des réseaux, disons, de la droite française, va voir Jacques Doer. Jacques Doer est l'homme des mauvais coups du général de Gaulle, c'est-à-dire quelqu'un qu'on appelle quand il y a vraiment un travail difficile à faire. Pour ceux qui connaissent l'histoire de la guerre d'Algérie, il est l'une des cibles principales que l'OS a voulu tuer. Et donc, mon camarade se retrouve dans une table d'un bon restaurant parisien entre Jérôme Monod et Jacques Doer qui manque d'en venir aux mains. Quand Monod a de la part de Chirac ce mot pour les gaullistes, de toute façon, la France, c'est fini. Voilà ce que je pouvais vous dire comme introduction de notre sujet. Bien, merci. Merci beaucoup, Pierre-Yves. C'était extrêmement intéressant. Et franchement, la dernière anecdote est particulièrement édifiante. Il y a pas mal de questions. Alors, je vais en extraire une de Jérôme Yannès, qui demande est-ce que à un moment ou à un autre, De Gaulle aurait-il lui-même trahi le gaullisme ? Alors, je pensais par exemple au fait où en 1967, Jacques Rueff, qu'il avait nommé, a arrêté le principe du circuit du trésor, avant même la fameuse loi de 73 dont vous avez parlé dans votre ouvrage. Donc, est-ce que le fait d'avoir pu donner justement un peu trop de pouvoir aux pompidoliens à la fin de son mandat, est-ce que ce n'était pas peut-être déjà une petite trahison de De Gaulle? Il y a deux sujets dans le sujet. Premièrement, il faut comprendre que si les pompidoliens arrivent à toucher entre autres au circuit du trésor, c'est beaucoup plus lié à l'action de Michel Debré qu'à l'action de De Gaulle. Michel Debré a une obsession. N'oubliez pas que Michel Debré a été au cabinet de Reynaud. Donc pour Debré, il y a une obsession, c'est que la France doit travailler, plus que l'Allemagne. Il a une obsession, c'est la France feignante. Et entre lui et De Gaulle, d'ailleurs, c'est une vision des Français qui est très différente, qui va d'ailleurs être marquée par De Gaulle par ce mot célèbre. Debré enfermerait la moitié de la France pour l'acheter, fusillerait l'autre pour trahison. Et en réalité, Michel Debré a un libéralisme autoritaire très particulier. N'oubliez jamais que c'est lui qui met un coup de canif, le premier, dans loi du CNR en autorisant certaines opérations de bourse. Mais c'est aussi lui qui crée la COB. Donc si vous voulez, il y a un libéralisme très autoritaire de la part de Michel Debré, mais où il est normal que les gens veuillent s'enrichir parce que le monstre de demain, c'est les banques anglo-saxonnes qui terrorisent tout le monde. Mais ça se fait dans un cadre
très verrouillée par l'autorité centrale. Parce qu'à l'époque, quand la COB vous attrape, elle ne fait pas semblant de vous attraper. La COB, la Commission des opérations de bourse. Donc, si vous voulez, les pompidoliens vont prendre ce pli-là. Pourquoi? Parce que ils incarnent face à De Gaulle, et ça Arnaud Tessier l'a très très bien compris, ils incarnent la société face à l'État. Et en réalité, ce faisant, ils estiment, et malheureusement mai 68 fait mine de leur donner raison, ils apparaissent plus modernes que De Gaulle, alors qu'en fait ils ont été plus occidentales dans la lignée des années 50, 60, 70 que De Gaulle. Aujourd'hui, ils apparaissent beaucoup plus dépassés que De Gaulle ne l'est. Mais est-ce qu'il aurait pu leur donner moins de pouvoir? À un moment, il a essayé, mais il s'est heurté à deux choses qu'il ne pouvait pas contrôler. C'est qu'il a manqué à René Capitan 10 ans de vie et à Charles De Gaulle 10 ans de pouvoir. En effet, bien, bien résumé. Je vais essayer de prendre une autre question. Alors, est-il possible, c'est une question de pantoufle, est-il possible de faire renaître le rêve gaulliste énoncé dans le plaidoyer de 1948? Alors je cite, « Nous, peuple français rassemblé, nous voulons que les travailleurs capables deviennent des sociétaires au lieu d'être des salariés. » Sur la participation, donc il y a une chose que je peux dire, c'est que les doctrinaires de la participation gaullienne avaient tout prévu. Je vais vous donner le dernier exemple en date. Vous avez entendu parler de la grande flemme des Français, de la grande démission, ça vous dit quelque chose? De Gaulle l'avait prévu, ça. Comment vous vouliez maintenir le lien salarial dans une population éduquée à terme? Voyons, c'était certain. Comment vous vouliez que l'entreprise française, et là je vais peut-être choquer beaucoup d'entre vous, mais je pense que l'entreprise à la française est la structure la plus archaïque de France. Moi, si vous voulez, le discours sur l'affreux état jacobin archaïque est un discours qui me sort par les yeux aujourd'hui. Parce que l'État français, il est ce qu'il est, mais il a toujours été adaptable en termes de puissance. Alors que l'entreprise à la française est un des derniers legs féodaux que nous avons, quasiment. Si vous voulez, c'est... Et que malheureusement, elle est rétive à la réforme interne. Eh bien, aujourd'hui, nous en payons le prix. Et nous avons reculé, si vous voulez, toutes les questions de la participation, la question du mal-travail, la question du sabotage. Du sabotage, je dis bien. Hein. Je vous rappelle que Natixis, par Monsieur Artus, pas un affreux révolutionnaire gaulo ou géronien, hein, a écrit un livre entier sur la révolte des salariés et les sabotages 2.0 qui se multiplient. Et bien sûr, la grande démission, eh bien tout ça, nous l'avons vu. Nous avons saupoudré de management à l'américaine et d'autres choses qui cachent la misère de ce qu'est l'entreprise française et par extension occidentale, c'est-à-dire de faire vivre des gens avec un lien salarial dans des boulots qui sont de plus en plus désincarnés, qui n'ont pas de sens. Alors vous pouvez me dire, oui, mais les Asiatiques vivent dans le même monde et ils font pas ça. Oui, mais eux, ils vivent dans des capitalismes d'État. Un capitalisme d'État, ça a du sens. Quand un Chinois va au boulot, ça a du sens, d'accord? Et encore, hein, ils sont en train, eux aussi, de se rendre compte de l'étendue du problème. Et malheureusement, le seul qui avait vu que ça se terminerait mal, quoi qu'on pense de la participation en elle-même ou de De Gaulle, c'est que le seul qui sait que le capitalisme de consommation des années 50, 60, 70, le seul chef d'État occidental qui sait que c'est terminé, c'est De Gaulle. Et cette part-là, cette troisième révolution-là est toujours devant nous, parce que elle est la seule troisième voie que nous ayons apportée. Or, le capitalisme tel qu'il est va être de moins en moins vivable et le retour d'expérience collectiviste n'est pas souhaitable et de toute façon n'est pas audible par toute une partie de l'opinion. Merci beaucoup. En effet, la troisième voie est sans doute tout à fait souhaitable par rapport au capitalisme débridé ou à un collectivisme devenu invendable, comme vous l'avez bien dit. Alors, une autre question de Jérôme Yanez. Bonsoir, monsieur Rogeron. Je crois que vous avez affirmé récemment qu'un des points d'accord entre les souverainistes des deux bords était la démocratie référendaire, le RIC, mais avec un côté plébiscitaire bonapartiste plus ou moins avoué. Pourquoi ne pas aller plus loin et accepter le principe de référendum d'initiative citoyenne constituant, largement soutenu par les Gilets jaunes? Le principe constituant. Moi, je n'ai rien contre. Je dis une chose simple. Pour l'instant, les expériences que j'ai des ateliers constituants sont extrêmement décevantes. Moi, j'ai rien contre, ni contre Étienne Chouard, ni contre ses idées. Je remarque que, premièrement,
Souvent, ça transforme la Constitution dans un, dans exactement d'ailleurs comme comme l'état de droit pourrissant, en un catalogue de droits qu'on n'arrive pas à garantir dans les faits. Et surtout, je constate, parce que le niveau de, d'instruction civique s'est effondré, que personne ne pense à la puissance de l'État. Or, si vous voulez, des institutions, aussi humanistes soient-elles sur le papier, mais qui dans le monde qui vont venir, si elles marquent de la faiblesse, elles emporteront, si vous voulez, la disparition de tous ceux qui les ont voulu. Moi, j'ai confiance dans les populations. S'il y a iségorie et isonomie dans les débats, je me méfie aujourd'hui des discours éthérés et je me méfie aujourd'hui du refus de ce que le, l'historien, comment il s'appelait, le, un père et un fils qui étaient historiens, c'était pas Dumont ou Duron, ce qu'ils appelaient la culture du refus de l'ennemi. Et ça, malheureusement, des populations élevées dans la paix, avec une conscience des intérêts extérieurs très modeste, j'ai très peur que ces passages-là tombent à l'as. Et vu qui sont nos adversaires, cette erreur-là ne nous sera pas pardonnée. Une question de Jean-Baptiste Villemur. Le souvenir de De Gaulle reste très fort en France, mais pourtant, sa figure ne mobilise guère. Le gaullisme n'est-il pas une page définitivement tournée? Est-elle porteuse électoralement? Par suite, quel peut être l'intérêt d'étudier ou de promouvoir le gaullisme? Si vous voulez, le... déjà, on va être très clair, De Gaulle mobilise plus à tout niveau que tous les autres chefs de courant, parce que si De Gaulle n'intéresse plus, que doit dire la figure de François Mitterrand? Que doit dire la mémoire de Valéry Giscard d'Estaing, qui, je vous le rappelle, on a dû retirer le livre de condoléances de Chamalières en ligne parce qu'il était tellement vide qu'au bout de 15 jours, ça commençait à se voir. Qu'on le veuille ou pas, c'est l'une des dernières figures qui fait le lien entre les Français. Ensuite, sa mobilisation politique, je vous dirais que le problème, ce n'est pas le vide de gens qui se réfèrent à lui, c'est plutôt le trop-plein. De là à dénaturer la doctrine. Et c'est justement pour ça que nous devons sauver De Gaulle, parce que De Gaulle, c'est une part active de l'histoire de France. Et c'est pour ça qu'il faut voir De Gaulle dans sa continuité, comme le voyait Malraux, comme le voyait Montpognon, comme le voyait Régis Debray. Parce que si le wokisme ambiant et la cancel culture ambiant a la peau de De Gaulle, ça voudra dire qu'elle aura la peau de la France. À mes yeux, c'est très net. Pour une raison, c'est que De Gaulle est le dernier homme qui se rattache. Alors, Pompidou aussi, mais Pompidou de manière bien moindre. Et Pompidou, par accident, il le dit lui-même. Quand il dit « mes parents étaient de cette race française, dur au travail, etc. » Eh bien, si vous voulez, le dernier fil de l'histoire millénaire de la France, c'est le fil qui passe par De Gaulle. Je ne vous demande pas de sauver De Gaulle en tant que lui-même, même si le personnage le mérite plus que n'importe qui, je vous demande de sauver De Gaulle, parce que à travers De Gaulle passe ce fil-là, et si nous perdons ce fil-là, il n'y aura plus jamais de fabrique à petit français. C'est aussi simple que ça. Merci, c'est très clair. Alors, qu'entendait, selon vous, André Malraux lorsqu'il déclamait « Tout le monde a été, est et sera gaulliste ». Et j'en profite pour poser une autre question qui est, malgré toutes ces trahisons, quelles sont, selon vous, les organisations politiques qui reste le plus fidèle à une ligne politique proche du gaullisme? Alors, pourquoi Malraux dit ça? Pour une raison, c'est que Malraux, n'oubliez jamais que Malraux, au-delà de l'aspect romancé de sa vie, moi, tous les gens qui me disent Malraux a en partie menti sur sa vie, je fais, mais les mensonges de Malraux sont plus palpitants que la vie de 99% des gens. Donc, quand on voit la vraie vie de Malraux, qui a eu une vie comme celle-là? Enfin, faut quand même arrêter. Et en réalité, Malraux a compris, parce que n'oubliez jamais que Malraux est parti très loin de la France, spirituellement et intellectuellement. Mais pour Malraux, et c'est un des messages profonds de De Gaulle, tout homme, quel qu'il soit, et c'est pour ça parfois que De Gaulle a des réactions que nous ne comprenons pas, par exemple quand il accepte de gracier la totalité de la milice parce que le révérend père Brugberger vient lui dire que le chef de la milice accepte de se sacrifier, accepte son sort et d'être tué
en échange de la vie de ses hommes, et que De Gaulle a cette phrase qui est terrible, parce que c'est quand même le chef des miliciens. Tout héros de 14 fut-il, de soldat à soldat, il a mon estime. Parce que pour De Gaulle, tout homme au cours de sa vie peut éprouver la sensation et le besoin de la France. Malraux en est un parfait exemple. Malraux est parti très très loin, et il est revenu pourtant. N'oubliez jamais d'ailleurs cette caricature ignoble du Parti communiste. Le jour de la mort de Malraux, il y avait deux tombes, André Malraux jusqu'à ce qu'il rencontre De Gaulle et André Malraux après, qui est un humour stalinien absolument lamentable. Or, c'est ça la phrase de Malraux. Tout le monde est, a été ou sera gaulliste, c'est-à-dire qu'à un moment même, alors, et pour la plupart des gens, ce fut vrai, parce qu'il y a toujours quelque chose en nous de lui. Sur les mêmes Jean Monnet, quand il a été commissaire au plan, eh ben, il a servi la France. Jacques Sapir a raison là-dessus, et croyez bien que je suis tombé de ma chaise en le lisant. Donc, si vous voulez, c'est une part de l'humanisme gaullien est dans cette phrase. C'est-à-dire que, mine de rien, nous pouvons, à un moment, être des Français à part entière, ne serait-ce que fugitivement. Ensuite, je pense que De Gaulle, comment dire, et ça se voit dans toute l'historiographie actuelle, l'aspect révolutionnaire du personnage finit enfin par ressortir. Donc en réalité, comme disait Jean Lacouture, il y a toujours quelque chose à trouver dans la vallée du roi. Et comme le disait, je crois que c'était Tournou, parmi les historiens gaullistes, la dernière salve du gaullisme n'a pas été tirée, elle viendra d'outre-tombe. Et d'un côté, c'est pour ça que c'est encore l'homme d'État qui fascine le plus, parce qu'on en trouve, on trouve encore de nouvelles choses. C'est le seul. Il n'y a plus rien à trouver pour les autres présidents de la République. Donc je pense que ça restera encore beaucoup un élément de, comment dire, de mobilisation si nous savons l'utiliser. Et c'est pour ça qu'il y a quand même, et d'ailleurs, peut-être que je vais fâcher quelques-uns d'entre vous, mais le succès qui fut plus qu'un succès d'estime de toutes les formations souverainistes repose en partie là-dessus. Si nous avons marqué tant de points d'un point de vue au moins idéologique, pas politique, peut-être pas encore, si vous voulez. Mais néanmoins, je pense pas qu'on a à rougir de tout ce qu'on a fait, parce que si nous n'étions plus là, c'est simple, prenez tout ce qui est du post ou du paragaullisme dans le logiciel alternatif de ces 20 dernières années et enlevez-le. Qu'est-ce qui vous reste? Mais il vous reste que dalle. Si la France a encore au moins 30 à 40% de sa population qui arrive à penser différemment et en tout cas ne pas voter comme on lui dit de le faire, c'est aussi parce que nous sommes là et parce que nous faisons le boulot. Parce que il nous a légué en mourant une grille de lecture avec laquelle nous combattons toujours. Je vous signale que c'est pour ça, par exemple, qu'une partie du Parti conservateur britannique s'est mise à étudier De Gaulle de manière frénétique depuis le Brexit, parce qu'ils n'ont plus de figure doctrinale. Et si la plupart des pays européens, je le dis comme je le pense, sont foutus, c'est parce qu'ils n'ont pas de pensée alternative pour le monde qui vient, y compris des pays que j'aime. Moi, ça me fait de la peine de voir ce que l'Italie est en train de vivre après s'être fait escroquer par Salvini, de se faire rincer par Meloni. Mais tout simplement parce que, mis à part des Diego Fusaro ou des gens qui sont encore bien plus isolés que nous ne le sommes, l'Italie n'a pas de logiciel alternatif. L'Allemagne encore moins. Mais par exemple l'Espagne, ce qui me peine énormément, vous vous rendez compte qu'un Espagnol alternatif, la seule figure qu'il ait, alors soit il est très cultivé, c'est José Antonio Primo de Rivera, le problème c'est que plus personne sait qui c'est en Espagne, soit c'est Franco, vous imaginez le problème? Eh bien nous, non, nous, on a toujours une porte de sortie. On a toujours ça, on a toujours la troisième voie. C'est-à-dire que nous avons un avenir pensable. Et tant qu'un avenir est pensable, il est potentiellement possible. À la seconde où il ne sera plus pensable du tout, tout sera fini. On va essayer de le garder pensable. Autre question, il y a plusieurs autres questions sur la participation, la troisième voie. Pourriez-vous revenir dans le détail sur le fonctionnement pratique de la participation? Alors, la Comment la participation. participation doit-elle fonctionner? Et Alors, on peut rajouter à cette question le fait qu'au premier cercle, on a déjà rencontré des gens que vous connaissez, Loïc Chéniaud, Régis Portalès, à qui on a parlé de la troisième voie, de la participation, de l'intéressement, et la réponse a été la même, une opposition de principe pour ne pas transformer les masses laborieuses en capitalistes. Alors comment réussir à appliquer ces principes avec une opposition de droite capitaliste-libérale et une opposition de gauche marxiste qui refuse par principe la participation? bah, tout simplement, on va être assez clair. La participation, attention,
L'intéressement n'est qu'une partie très minime de la participation. Il s'agit avant tout de donner aux salariés des pouvoirs dans l'entreprise. Ce faisant, la première participation, c'est celle qui naît en 45, les comités d'entreprise, etc. Et vous avez une radicalisation de ce phénomène chez De Gaulle pour que des parts de l'entreprise passent dans les mains des salariés. Et en réalité, c'est pas ça qui a gêné, enfin, ça a gêné le patronat lourdement, la question financière. Mais les parts correspondent à des pouvoirs. Alors, ce qui ne veut pas dire que le chef d'entreprise doit finir par être élu, ça veut dire que l'entreprise, disons, autocratique à la française aura vécu. Et je vous rappelle que ces structures collectives de salariés, dont certaines sont issues du CNR, ont souvent sauvé des entreprises. Je vous rappelle que certains des plus gros crashs de l'économie française, comme on va prendre le cas de Vivendi, par exemple, monsieur Messier, je crois, la seule force de l'entreprise qui avait dit la vérité, c'était les comités d'entreprise de salariés. En réalité, plus un salarié avance dans l'entreprise, plus il est dans des organes qui acquièrent du pouvoir et plus lui-même a des parts de l'entreprise qu'il peut, quand il part, disons, revendre ou rééchanger à l'un des siens. Parce que le système de la participation repose sur un double problème. Un, l'accès des entreprises au cash, donc la sécurisation de leurs fonds pour éviter entre autres les OPA hostiles, c'est-à-dire qu'elles aient une part, disons, d'actionnariat salarié extrêmement fort qui puisse éviter les attaques externes. Deuxièmement, que l'entreprise, disons, soit assurée d'avoir dans ses salariés des gens capables de décider au fait de ce qui se passe dans l'entreprise et donc d'éviter non pas la lutte des classes, mais le luttisme de classe. C'est-à-dire ce qui a quand même beaucoup plus gêné la lutte des classes qu'autre chose. Parce que je vous rappelle, je vais vous parler avec les mots de Monsieur Bergeron, l'ancien patron de FO. D'accord? L'ancien patron de FO, avant de mourir, a fait un long interview dans l'une des revues de l'extrême droite française la plus raide, la revue Le Choc du Mois, où il a dit plusieurs choses très intéressantes. Il a dit « C'est les Américains qui ont créé FO, aligné la Croix-Rise a raison, et j'ai touché du pognon et j'en suis très content. » Point 1. Point 2, il a eu cette phrase que je n'oublierai jamais « Ne me saoulez pas avec l'imminente dignité des pauvres. » Et point 3, il a dit sur la participation « Mais voyons, mon bon monsieur, évidemment que j'étais contre cette idée. La lutte des classes, c'est mon boulot. » Voyez ? Donc à un moment, il faut bien, je pense, avoir en tête que la participation est l'un des seuls moyens de rendre, premièrement, en partie indolore la transmission des savoir-faire et des patrimoines industriels, point 1, de mettre fin, du moins, ou de lourdement redresser les rapports sociaux au sein de l'entreprise qui sont catastrophiques aujourd'hui en France. Vous voulez qu'on parle inspection du travail, qu'on parle mal-travail, qu'on parle harcèlement au travail, que c'est l'une des seules alternatives que nous avons au management décérébrant et débilisant américain, et que, de toute façon, nous, ne, sur, il y a des points où nous pouvons faire des communs, ça c'est mon accord avec mon ami Loïc Chéniaud, mais il y a des points où l'initiative privée doit être protégée, mais parfois, et c'est le rôle de la participation, protégée même d'elle-même, parce que je pense pas qu'on fera un monde sans entreprise, mais il faut un type d'entreprise rénovée pour un type de capitalisme totalement différent d'une autre, qui sortira peut-être d'ailleurs de l'histoire du capitalisme, mais en tout cas, ça ne retournera pas vers les expériences qui ont eu lieu au XXe siècle. Donc je pense que de toute façon, il faut laisser une place à l'initiative privée et que cette place, pour qu'elle puisse s'ancrer dans un schéma collectif, elle doit sortir de ce que l'entreprise est maintenant. Donc en plus, l'avantage de la participation, c'est qu'elle avait pris en compte le fait que nous ayons des salariés de plus en plus éduqués. Alors, on peut jouer sur le terme éducation, il n'y a pas de problème. Mais on n'est quand même pas dans la situation de l'entreprise verticale de la fin du 19e. Donc je pense que, et c'est pas pour rien que la participation aujourd'hui subjugue des gens qui la découvrent, je pense à Alain Supiot, qui est quand même l'un des plus grands juristes de France, qui savait pas que ça existait, et croyez-moi qu'il a eu un choc. D'ailleurs, c'est devenu l'un des plus grands porte-drapeaux de la participation. Alors évidemment, on a perdu 40 ans. Bon, bah, on a perdu 40 ans. Mais je pense que nous devons la repenser dans tous les types d'entreprises, qu'elle aura des effets, je pense, bénéfiques d'un point de vue global, mais différents selon le type d'entreprise, mais surtout qu'elle nous permettra de réancrer dans certains grands groupes français, et je l'espère, ça ralentira au moins l'hémorragie de la perte de capital des grands groupes français vers l'étranger.
parce que j'ai suffisamment confiance dans les salariés français, alors sauf peut-être une minorité, mais je ne pense pas qu'ils vendront à l'encan leur outil de travail. Les capitalistes français, j'en ai une petite idée. Car il ne faut pas oublier une chose. Pourquoi la participation ne crée pas des capitalistes? Pour une raison qui est très simple. 1. La première force du salarié reste sa force de travail. La seule chose, c'est que cette force de travail, dont la seule force était la reproductibilité, lui donne accès à des responsabilités parallèles et à des droits parallèles. C'est ça le problème de la participation. Et c'est pour ça que je vous rappelle que le patronat français a plus résisté à la participation qu'elle n'y a résisté aux Allemands. Si vous voyez l'épopée d'un homme aussi délétère qu'Ambroise Roux, Ambroise Roux a fait une partie de sa carrière politique là-dessus. Et de l'autre côté, ça ne les transforme pas en capitalistes pour une seule raison. Aujourd'hui, même le chef d'entreprise n'est plus un capitaliste comme on l'entend. Là, il faut arrêter le luttisme de classe. Nous ne sommes plus dans des sociétés fordiennes avec des écarts de salaire de 1 à 13. D'accord ? Nous sommes dans des sociétés d'écart de 1 à 100. Donc, si vous voulez, même le gros patron de TPE, PME, même le cadre moyen d'entreprise est en voie de prolétarisation. Il n'est plus propriétaire de rien, il n'est pas propriétaire de ses moyens de production, et surtout, surtout, les écarts de force sont tels qu'en réalité, il vogue vers le prolétariat sans même s'en rendre compte. Et donc, il faut que nous prenions en compte, sinon nous serons défaits, la nouvelle stratification sociale qui unit une part de la haute fonction publique à certaines des nomenclaturistes de grands groupes d'un côté et qui réunit le petit fonctionnariat et le petit entrepreneuriat de l'autre. Si nous n'avons pas conscience de ça, nous ne comprendrons pas ce que Christophe Gulli appelle à raison les dépossédés. Là aussi, en effet, un constat sévère mais juste. Autre question, je vais en mettre un mastic de deux questions. Dans ses mémoires de guerre, De Gaulle, observant la réorganisation politique du pays après la libération, a écrit un passage assez sévère sur les qualités des différents partis qui se préparaient aux élections. N'est-il pas une erreur de parler de trahison du gaullisme quand celui-ci avait l'air de se sentir déjà seul politiquement à l'époque où sa popularité était au maximum? La démocratie française n'était-elle pas déjà fatiguée à ce moment-là et n'aurait-il pas été préférable, en fait, pour la France de ne pas avoir eu De Gaulle? Laisser les faiblesses de la France la pousser à la ruine pour qu'elle apprenne d'elle-même. Je me méfie de la politique du pire. Parce que généralement, un, ça rapporte à personne, même pas à ceux qui la souhaitent. Et deuxièmement, je vais vous dire une chose qui est simple. Alors, je ne sais pas quand est-ce que la personne qui a dit ça veut que De Gaulle disparaisse. Mettons, il disparaît en 47, ok? Bon, alors je vais vous dire comment ça se termine. L'OAS ne naîtra pas parce que les putschistes arrivent à faire une guerre civile en France sur la question algérienne. Les Américains nous neutralisent économiquement définitivement. Je vous rappelle que à partir du moment de la guerre d'Algérie, il y a une mission permanente du FMI à Paris. Et de toutes les manières, la France est définitivement neutralisée. Donc, objectivement, nous ne serions pas là pour en parler. Nous serions déjà un pays qui serait certainement tombé beaucoup plus bas que les autres pays européens et qui aujourd'hui serait certainement un pays définitivement sous tutelle, ce que nous ne sommes pas encore. En effet, et d'ailleurs, je voulais rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur Raymond Aron. En effet, Raymond Aron, il y a de fortes probabilités pour qu'il fût un agent appointé de la CIA. C'est rapporté dans l'excellent ouvrage de Madame Frances Stonor, je crois, qui s'appelle « Who paid the piper », c'est-à-dire « Qui mène la danse » en français, qu'on peut traduire aussi par « Qui paye l'orchestre, choisit la musique », et où elle cite même l'agent traitant de Raymond Aron, un certain Joss Elson. Donc en effet, oui, les Américains... Qui était un marin, et je peux le dire, vu que le général Gallois a cité ce nom un nombre incalculable de fois en public et à des micros de radio, il l'a écrit dans ses mémoires, et Dominique Schnapper, héritière et donc ayant droit de Raymond Aron, n'a jamais levé une oreille. Et à titre personnel, quand j'ai rencontré Constantin Melnick, qui faisait grand cas de son appartenance à la Rand Corporation, qui vouait à De Gaulle une haine ethnique quasiment comme s'il avait été agent soviétique, Melnick m'a dit plusieurs fois qu'on n'oublie pas que c'est moi qui fais rentrer Raymond Aron à la Rand. Et quand vous savez que Constantin Melnick était l'un des maîtres espions
de l'équivalent de l'époque de notre DGSE, ça vous laisse rêveur. C'est une question d'Antoine qui nous demande, les inspirations du gaullisme ne sont-elles pas désormais plus présentes à l'étranger qu'en France? Vladimir Poutine s'est référé à De Gaulle. Je crois aussi d'ailleurs qu'à un moment Erdogan s'était référé à De Gaulle. Hugo voilà, Chavez. Voilà, absolument, Hugo Chavez, tout à fait. Hugo aussi Chavez. Dans son principe, je crois, s'était référé à De Gaulle. Donc, est-ce que De Gaulle serait plus présent à l'étranger qu'en France? Déjà, De Gaulle appartient, il est vrai, au patrimoine des hommes libres. Ça, c'est certain. Il ne faut pas oublier que quand un étranger veut se référer à la forme la plus belle qu'il connaît politiquement d'un Français, vous avez 8 chances sur 10 que ce soit De Gaulle qui sorte. C'est pas uniquement parce qu'ils connaissent que ça, c'est parce que pour eux, c'est la plus belle incarnation qu'on ait donnée récente, parce que De Gaulle est très présent dans une part des vies étrangères. Il nous protège toujours. Vous l'avez tous vu ou expérimenté peut-être une fois dans votre vie. Certains étrangers nous aiment de manière totalement disproportionnée par rapport à ce que nous sommes devenus. C'est l'exemple que je donne. Vous pouvez faire brûler la Sagrada Familia, qui est pourtant une très belle église, et bien 90% du monde s'en foutra. Un incendie à Notre-Dame, le monde arrête de respirer. Je vous rappelle que dans la nuit, on avait quasiment récupéré le pognon. Autre chose, attentat de la gare d'Atocha, 200 morts, on frappe le Bataclan à Paris, on ne savait plus quoi faire, des bouquets de fleurs qui sont arrivés aux quatre coins du monde dans nos ambassades. L'Espagne vit un massacre de 200 personnes, vous n'avez pas l'équivalent. Parce que la France au cœur du monde, c'est quand même quelque chose. Et la dernière fois que ça a été vraiment quelque chose, c'est lui. Une autre question que je vais aussi un petit peu reformuler à ma sauce, désolé Trichelin. Il dit « La trahison des gaullistes dont il est question n'est-elle pas née de ce que De Gaulle est désormais un de ces monuments de l'histoire de France qu'on s'oblige à saluer sans jamais ni le visiter, c'est-à-dire ni le lire, ni l'étudier, c'est-à-dire examiner son histoire au-delà des mythes et des poncifs qu'on se raconte pour se faire plaisir et donner bonne conscience. Je rajouterais, est-il normal qu'aujourd'hui, la quasi-totalité des étudiants, même en histoire, vont connaître tous, par exemple, et c'est très bien, l'histoire de la rafle du Veldiv, mais ne vont pas connaître simplement le nom de Bir Hakeim. C'est-à-dire qu'il y avait à peu près autant, c'était un mois de décalage, d'un côté la France libre combattante, de l'autre côté la France collaborationniste, eh bien, dans les esprits des élèves et des étudiants, il ne reste plus que la France collaborationniste. On dirait que la France résistante s'est tout simplement effacée de la mémoire collective. Sans doute par volonté. Ah non, très cher, elle ne s'est pas effacée. On l'a effacée. Oui, effacée, tout à fait. On l'a effacée. Moi, à titre personnel, je peux dire j'ai un de mes amis professeurs qui est capé dans la fondation de la mémoire de la résistance. On l'a effacée. Mais cette mémoire-là, elle ne demande qu'à se réveiller. Regardez le succès hors norme de l'exposition Visage de résistant, qui est liée à l'historien Jean-Christophe Notin. Vous savez, ces petits portraits de résistants qui sortent sur Internet de quelques lignes, avec le portrait des suppliciés. Vous avez des dizaines, des centaines de milliers de gens qui s'arrachent ces trucs-là, parce que c'est une mémoire qui ne demande qu'à renaître. Non, on a voulu effacer cette mémoire-là. Vous savez pourquoi ? Il fallait européaniser les crimes. Oui, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas avoir de culture plus innocente que d'autres du XXe siècle. Ça a évité qu'on se pose des questions sur la réalité de ce qui nous est arrivé, d'où est venu le nazisme, etc. Or, je suis tout à fait d'accord, là, il y a un travail pour nous tous qui est un travail de formation et d'histoire. À votre avis, pourquoi j'ai la seule organisation qui a parié sur la formation? Tout simplement parce que si ils arrivent à nous effacer ça, nous ne gagnerons jamais. C'est aussi simple que ça. Or, il faut toujours, toujours, et le pire, c'est qu'à la fin, vous voyez que ça marche, parce que il y a des tas de choses, de mythes historiques. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, vous ne ferez plus croire à tout le monde que c'est les Américains qui nous ont libérés tout seuls et qu'il n'y avait pas d'armée rouge, vous voyez ? Oui, on voit que le taux de Français, de jeunes Français, qui maintenant connaissent un peu mieux le rôle de l'armée rouge par rapport à il y a 25 ans,
En effet, ça a augmenté. Moi, je suis aujourd'hui très opposé à ce qu'on appelle la réinformation. En réalité, il ne faut pas réinformer, il faut rééduquer. Pas rééduquer au sens n'encore rien du terme, bien sûr, mais il faut aider les gens à se former intellectuellement avant de leur donner tout cuit dans le bec des commentaires d'actualité qui sont, quand ils sont bien faits, sont des analyses, mais quand ils sont mal faits, ne sont rien de plus que de la contre-propagande, si vous voulez. Nous avons perdu, à cause de pseudo-médias alternatifs de droite et d'extrême droite, nous avons perdu 10 ans parce qu'ils n'ont pas fait de réinformation, ils ont fait de la contre-propagande. Sur les sujets sérieux, eh bien, en plus, comme ils sont mauvais techniquement, eh bien, heureusement que nous avons une génération de jeunes techniciens talentueux, dont entre autres fait partie Charles-Henri, dont fait partie chez vous le camarade Maxime Amblard, un autre camarade proche de l'écologie qui, je crois, est dans ce fil, etc. etc. Voilà, nous devons éduquer politiquement les nôtres en même temps que nous combattons. C'est ce qui fait aussi le problème que nous avons par rapport au système, parce que le système lui fait l'inverse. Il débilise les gens pour les faire voter après. Or, débiliser les gens, c'est quand même beaucoup plus facile, tout simplement parce qu'il est beaucoup plus facile, un, de détruire que de construire, et c'est quand même beaucoup plus facile d'abattre un arbre que d'en faire pousser un. Nous sommes dans la guerre cognitive, exactement. Et justement, le fait de vouloir effacer de la mémoire collective l'œuvre du général de Gaulle, n'est-ce pas aussi pour pouvoir capter l'héritage principal matériel qu'il a laissé à la France, c'est-à-dire la place au Conseil de sécurité de l'ONU avec le droit de veto et la force de frappe, puisque ces deux héritages sont liés au fait que la France ait été considérée comme faisant partie des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, alors que si on présente la France comme héritière de Pétain, eh bien entendu, la légitimité d'avoir notre siège au Conseil de sécurité de l'ONU et la force de frappe ne se justifierait plus. Mon cher Philippe, vous m'avez tout enlevé de la bouche. Je vais même faire un tableau encore un tout petit peu plus raide. Pour moi, leur but était triple. Moi, je suis historien des idées. À un moment, il y a un peu d'éthique professionnelle à avoir. La mise en accusation de la France, elle est venue de trois sources. Ces trois sources, qu'est-ce qu'elles ont utilisé comme terme? Elles voulaient faire, je cite, le procès du résistentialisme. Et le résistentialisme, c'est un mot qui naît des post-collabos. Le mot résistentialisme, c'est l'extrême droite qui le crée. Le système va reprendre d'ailleurs des tas de clichés anti-français de l'extrême droite, y compris de gens qui, à titre littéraire, peuvent être des gens sympas. Donc, le problème, c'est que trois camps politiques vont reprendre tout un narratif qui en réalité a été forgé par l'extrême droite de l'immédiate après-guerre. Et pour ça, je vous renvoie à un ouvrage définitif que nous devons faire connaître, son auteur nous a malheureusement quitté, qui est Le Chagrin et le Venin. Il y a eu de mythes résistentialistes en France. C'est pas vrai. Jamais les résistants ont dit que la France était entièrement résistante. C'est pas vrai. Tout pays collabore et résiste quand il est occupé. La seule chose, c'est que dans une nation, on glorifie la mémoire des héros, on glorifie pas la mémoire des salauds. Et deuxièmement, une partie des salauds, nos pères, comme le disait très bien Michel Pinton, vous nous reprochez la mémoire d'hommes que nos pères ont pendus. Donc, le problème, c'est que vous allez avoir tout ce gloubi-boulga de la part de tous les salopards qui, pour la plupart, viennent, je le rappelle, du briandisme et de la gauche pacifiste. Mais comme plus personne ne veut d'eux après, dans l'après-guerre, sauf l'extrême droite, ils vont faire les gros bataillons de Rivarol, de tout ça. Je vous rappelle que dans l'horrible France résistentialiste, la presse collabo renaît dès 1948-1949. Même le parti communiste régnant, vous avez la presse collaborationniste qui arrive à renaître avant les années 50. Eh bien, tous ces gens-là vont être repris par trois courants idéologiques. Premièrement, la gauche américaine derrière Paxton. Tout le monde sait que le paxtonisme a un problème historiographique. Donc, si vous voulez, là, je ne sais pas si Robert Paxton est mort, en tout cas, il est très très âgé, mais personne ne veut y toucher, parce que s'il est mort, il n'est pas mort il y a assez de temps, mais tout le monde le sait. Les accusations de Paxton sur la France ne sont pas sérieuses historiographiquement. Pour une raison, c'est que l'œuvre de Paxton repose sur une contradiction interne. Qui lit Paxton entre son livre « La France de Vichy et l'armée de Vichy » voit tout de suite le problème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tenir toute l'œuvre de Paxton d'un seul mouvement, parce que c'est une œuvre à angle droit. C'est-à-dire, sur ces deux principales œuvres, il dit le contraire dans l'une et l'autre. C'est très drôle, d'ailleurs. Donc, vous avez d'abord ce courant-là.
de gauche américaine. Vous avez la coagulation francophobe qui va utiliser les écrits principalement de Zef Stirnel, qui sont des écrits, je le dis, puisque en plus c'est ma matière reine, qui est l'histoire des idées, qui sont des écrits totalement discutables d'un point de vue historiographique et délirants sur le fond. Parce que c'est les fameux écrits de la GPA idéologique, comme quoi la France serait à la serait la mère du fascisme et donc du nazisme. Mais comme la France est une sorte de marâtre qui ne veut pas de vergeture, elle a fait porter ses enfants et par l'Allemagne, mais surtout par l'Italie, vue comme une nation arriérée. Or, l'Italie n'a besoin de rien vis-à-vis de la France en sciences politiques du 19e et du 20e siècle. C'est l'Italie la nation la plus innovatrice. Donc, elle a eu besoin de personne pour penser le fascisme. Mais ces thèses délirantes vont vous donner l'idéologie française de M. Bernard-Henri Lévy, dont, au passage, il y a des parallèles à l'extrême droite chez les écrits comme des gens comme Alain de Benoît, je tiens à le dire, parce que lui déteste la France pour d'autres raisons, des raisons qui a trait... Est-ce que lui, il appartient au camp des vaincus de 45, par exemple, mais il emboîte le pas, et ce gloubi-boulga de haine anti-française va être partout dans la presse dans les années 80, à travers des journaux comme Globe, va être la principale mangeoire idéologique de l'IEP Paris et de l'ENA à l'époque, ce qui va vous donner des générations entières de francophobes. Et le dernier courant, après cette gauche américaine, après ce que j'appellerais le détournement idéologique de l'antiracisme, très bien vu par Paul Lyonnais, qui avait tout vu dans Voyage au centre du malaise français, vous avez un troisième courant, qui sont l'ensemble des courants qui vont donner les décoloniaux, les sécessionnistes de tout poil, que ce soit des sécessionnistes régionalistes ou sécessionnismes ethniques, qui tous appartiennent à la grande galaxie des opuscules et corpuscules d'extrême gauche, qui eux vont essayer de criminaliser la nation française pour pouvoir demander pour chacun leur petit sécessionnisme du blé et des excuses. Il y a aussi des sécessionnistes d'extrême droite, comme par exemple le nationalisme breton. Et dont certains sont totalement ambigus vis-à-vis de l'extrême droite. C'est tout à fait vrai. Or, le souci, ce qu'il faut bien avoir en tête, que tous ces gens-là se sont nourris de la francophobie. Aujourd'hui, la francophobie fait quand même beaucoup moins recette. Ça, Philippe, vous êtes plus âgé que moi, je pense que vous le voyez. Si vous voulez, la haine pathologique de la France, telle qu'elle a pu avoir lieu dans les années 70-80, et fait quand même beaucoup moins recette, et les héros de cette haine font beaucoup moins recette. Si vous voulez, Glucksmann fils n'aura pas la carrière de Glucksmann père, parce que tout simplement on a volé la France aux Français. Donc si vous voulez, pour nous la France est un manque avant tout. Et nous sommes en train d'essayer de cautériser, mais nous devons nous en donner les moyens intellectuels et historiques, la grande plaie qui en réalité est une plaie de la crise nationale que la France vit depuis les années 20, et dans laquelle tous les salopards depuis les surréalistes se sont engouffrés. Nous devons, c'est ce que j'appelle le nationalisme du Caire, je suis en train de préparer des écrits là-dessus, nous devons panser les plaies de notre peuple, parce que tous les grands peuples vivent de très grandes crises nationales. Le peuple russe en a vécu une dont il n'est pas encore totalement sorti. Le peuple chinois en a vécu une pendant près de 2 siècles. On peut s'en remettre, les grands peuples vivent ça. Le peuple américain est en train d'en vivre une, hein. Ne vous faites aucune illusion. Je peux vous assurer que, moi j'ai des correspondants partout aux États-Unis, je peux dire que la guerre civile dans moins de 10 ans aux États-Unis, j'y crois. C'est un scénario à la syrienne, parce que je vous rappelle quand même qu'il y a 350 millions d'Américains, il y a 400 millions de flingues. Donc si vous voulez, ça peut très vite tourner. Nous ne sommes pas les seuls à vivre cette crise, et je tiens à le dire, le grand historien Philippe Grasset, le grand auteur de De Defensa, Lucide De Defensa le disait bien, se remettre de 1870, de 1918 et de 1945, très peu de peuples auraient encaissé ce que nous avons déjà encaissé. Donc nous pouvons nous en sortir. Et nous sommes peu nombreux, je le sais. Mais pour ça, il faut tout renouveler. Moi, c'est pour ça que je suis aujourd'hui renaissantiste. C'est-à-dire que nous devons tout repenser, tout refaire, et entre autres, si vous voulez, l'éducation et l'édification des jeunes Français. J'ai confiance dans une partie de la jeune génération. Merci pour cette note d'espoir. Alors justement, y a-t-il des personnalités susceptibles aujourd'hui, alors peut-être pas toutes seules, hein, mais d'incarner les idéaux du gaullisme? Où sont les gaullistes et avec qui pourrait-on refaire un CNR? On va être très clair. Prenez le cas Gilets jaunes, prenez le cas du mouvement pour les libertés publiques, des mecs en or, j'en croise tous les jours. Alors, je sais pas, j'ai peut-être une... Pourtant, j'ai pas une vie trépidante, hein, je vis au Mans.
je trouve que la société française sécrète encore des gens extraordinairement sains. Et dès qu'il y a un problème en France, vous l'avez vu lors de l'affaire du pass sanitaire, vous l'avez vu lors de l'affaire des Gilets jaunes, on voit arriver des mecs pas mal de partout. Et vous les retrouvez pas dans les partis politiques centraux. Et la preuve, c'est que quand ils vont dans les partis politiques centraux, c'est les plus pourris des mouvements qui y vont. Alors question, qu'est-ce qui se passe? Eh bien tout simplement, je pense que aujourd'hui, vous avez un cœur politique pourrissant en France, et autour, vous avez une société qui se reconfigure, et comme elle ne veut pas affronter le cœur politique pourrissant, c'est pour ça que vous avez l'éloignement, le passage sous les radars de plus en plus de Français. Mais quand vous allez voir le grouillement qui se passe en province, etc., vous voyez quoi? Vous voyez que les gens sont souvent plus conscients qu'on ne l'imagine. Deux, ils ne peuvent peut-être pas mettre tous les mots dessus, ça je vous l'accorde sans mal, mais ils sentent profondément que ça va mal, ils essayent d'adapter leur mode de vie, et quand ils se mettent à militer, on a une génération de militants en or. Je pense que vous le voyez, vos générations Frexit. En tout cas, moi je le vois. Maintenant, nous devons moduler notre action. Premièrement, pour nous enquister dans la société. Deuxièmement, pour préparer une guerre longue, parce que ce sera une guerre idéologique très longue. Et troisièmement, pour redevenir des mouvements polymorphes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être que des partis d'électeurs associés à des organismes de propagande YouTube. On ne peut pas faire que ça. On doit devenir des partis sociaux complets, ce qui était le cas des partis gaullistes, ce qui était le cas du Parti communiste. Et je pense que là-dedans, nous pouvons associer des gens qui viennent de la gauche, fût-elle radicale, moi je m'entends très bien avec quelqu'un comme Loïc Chaignot, des gens qui viennent des milieux de l'écologie, fût-il profond, moi je m'entends très bien avec quelqu'un comme Laurent Ozon, par exemple, mon amitié avec Florian Philippot est connue, mon affection pour Charles-Henri est connue, donc ma sympathie pour Nicolas Dupont-Aignan ne s'est jamais démentie. À partir du pôle intellectuel, parce que le souverainisme a d'abord été un pôle intellectuel et maintenant doit devenir autre chose, nous avons déjà un magistère sur la société qui n'est pas totalement négligeable. La seule chose, c'est que nous allons devoir gérer, un, la globalité de nos actions, deux, de devoir serrer les rangs dans certaines optiques, dont, entre autres, je pense, certaines échéances électorales, mais pas uniquement, et troisième plan, je pense que nous devrons aussi gérer le passage de génération, car nous devons aider la génération qui vient à éclore, parce que ce sera la génération qui va certainement aller au carton. Ça va pas être une romance. Voilà. Non, on va rentrer dans le dur très bientôt. Nous approchons de la fin de l'enregistrement. Après, peut-être qu'il y aura des questions en after, si vous avez encore le temps d'y répondre. Il y a une question qui concerne peut-être le champ du cygne du gaullisme, du moins politique, qui fut l'opposition de Jacques Chirac à la guerre en Irak. Est-ce que cela vous a paru être une position gaulliste, et est-ce la raison pour laquelle le talon de fer américain s'est ensuite abattu sur la France avec Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron, selon la formule de Madame Condoleezza Rice qui avait dit à propos de la position française « Forget Russia, forgive Germany, but punish France. » Alors, il y a de ça. Il y a objectivement de ça. Le problème de Chirac, c'est que comme Chirac a une conscience historique proche de la moule marinière, pour la France, ses compétences de diplomate étaient hors du commun. Il écrivait le sanskrit dès qu'il avait 16 ans, il connaissait toutes les règles du yokozuna que 90% des Japonais ne connaissent pas. Il faut quand même savoir que le plus grand yokozuna, donc le plus grand sumo du Japon, a été la première personne en 2002 à le féliciter quand même. Je rappelle qu'au Japon, ces gens-là sont des dieux vivants. Il était expert en poterie chinoise, je crois, du 16e ou du 17e, c'est à vérifier. Enfin, si vous voulez, Chirac était riche en monde, mais pauvre en France. Et à titre personnel, c'est la colère que j'ai quand je pense à lui, c'est ça. Moi, j'en veux pas à Giscard d'être un traître. Alors que Chirac, c'est autre chose. Poutine, à un moment, dans un sommet international, a eu fait une grande confession. Il était très attristé. Il dit, de toute façon, ce qui nous manque, c'est quelqu'un comme Chirac. Et il dit tout le bien qu'il pense de Chirac. D'un coup, personne l'y a forcé. Hein. Il dit tout simplement, regardez, en 2003, Chirac nous avait tout annoncé. Regardez-moi ce merdier. Et le problème, c'est que les Américains vont nous le faire payer.
et entre autres à travers le club de traîtres qui est le club des anciens ambassadeurs français à Washington, qui sont ce que j'appellerais le reliquat de la gauche américaine, tout comme le sont les pires esprits du ministère de la Défense en France. Enfin, quand vous voyez des revues entières de défense française qui sont tenues par des Belges et où la plupart des intervenants sont des Canadiens, vous vous posez la question, où est l'intérêt national français? Or, les Américains n'ont pas supporté que ce qu'ils ont pris pour un défi, mais c'était pas un défi. Quand il fait ça, Chirac, comme quand De Gaulle prévient les Israéliens après 67, c'est la parole d'un allié. On leur a juste dit, vous allez faire une connerie monumentale. Et je vous rappelle quand même que la guerre d'Irak, plus toute la campagne dite de guerre contre la terreur, enfin, 3,5 millions de gens ont perdu la vie. Alors pour tout le monde, c'est de la quantité négligeable parce que ce ne sont jamais que des pauvres arabes musulmans. Mais est-ce qu'on se rend compte de toutes les vies qu'on a fauchées en prétextant arrêter l'islam radical et arrêter des armes de destruction massive qu'on n'a toujours pas trouvées d'ailleurs, 20 ans plus tard? Chirac savait où ça allait. Donc les Américains se sont vengés de nous parce qu'ils ne supportent pas le rôle de conscience de l'Occident que la France, je ne dis pas que la France mérite ou que la France veut, mais que la France a par nature, pour une seule raison. Quand la France s'écoute elle-même, elle est le peuple occidental le plus riche en monde. C'est notre histoire. On les avait prévenus. Alors, vous ne supportez jamais l'homme qui vous prévient. Mais ce n'était pas un acte hostile vis-à-vis des États-Unis. C'était de leur dire, cette folie doit cesser. Et aujourd'hui, le moule gaullien, particulièrement en relations extérieures, est le moule le plus idoine pour affronter la multipolarité. Vous ne referez pas une diplomatie française sur du sarkozysme. Bien, merci. Pour terminer cet enregistrement, voyez-vous, avec l'ensemble de la crise que nous allons avoir en 2023 et 2024, une alternative souverainiste se monter aux élections européennes? Moi, je ferai tout pour que ça ait lieu. Et je pense qu'il faut que nous essayons tous d'y mettre du nôtre. Après, je pense que Charles-Henri a prouvé qu'il était un homme d'unité du camp. Je pense que Florian aussi. NDA fera comme toujours ce qu'il veut, mais il a toute sa place. Et d'autres aussi. Nous ne pouvons plus nous permettre des débats de personnes là-dedans. Si nous n'arrivons pas à avoir le même esprit de corps qu'avaient ce que j'appelais les vieux gaullistes, je pense à Pierre Lefranc, je pense au premier parrain du cercle qui était Jean Foyer, ou je pense à Maître Jacques Vergès. Si nous n'avons pas la droiture que ces hommes pouvaient avoir les uns envers les autres, et si nous n'avons pas cette affectio societatis, c'est-à-dire non pas qu'on apprenne uniquement à lutter ensemble, mais qu'on apprenne un peu à s'apprécier. Un, je vous le dis, le système nous vaincra. Mais deux, le système a mis dans notre dos, et nous n'y prenons pas assez garde, mes amis. Toute une droite occidentaliste et américaine et une extrême droite européiste qui n'attend que ça pour nous flinguer. La chasse aux souverainistes a déjà lieu dans certains coins. Si nous n'arrivons pas à faire corps, ils nous auront. Et n'oubliez pas une chose, le système règne parce que il maîtrise l'alternative. Si vous voulez, il y a rien de nouveau sous le soleil. Hein. On est toujours dans du Goldstein, pour ceux qui connaissent Orwell. En effet. Et cette fois-ci, notre ennemi, c'est l'Eurasia, avant de devenir, après-demain, l'Estasia. Voilà. Et on nous expliquera que l'ennemi aura changé. Nous arrivons donc au terme de cette émission, de cet enregistrement. Nous tenons à remercier Pierre-Yves Rougeron pour vraiment cet exposé extrêmement savant et cultivé, très référencé. Et franchement, ce fut un grand plaisir pour le premier siècle de Génération Frexit de vous recevoir ce soir.